Entrez. Le général Rigaud, commissaire. Ah, général. Ravi de faire votre connaissance. Justement, nous parlions de cette Toussaint l'ouverture qui nous donne du fil à retordre. Je ne vous cache pas que nous comptons beaucoup sur votre collaboration. Merci, commissaire. Je serai honoré de servir la République. Que pensez-vous de ce Toussaint l'ouverture? Pour être honnête, je n'ai aucune confiance en lui. Il rêve de voir Saint-Domingue aux mains des Noirs. Non. Non, ce n'est pas absolument exact, général. En réalité, nous ne savons pas du tout ce qu'il veut. Et toute la question est là. Bien. Quoi qu'il en soit, il nous fait la guerre. Par conséquent, je compte sur vous pour le neutraliser. Alors achetez-le, déportez-le, mais réglez le problème. Ma chère femme, il ne se passe pas une journée sans que je pense à toi et aux enfants. Biassou est allé ouvrir un nouveau camp à Turel. C'est moi maintenant qui dirige le fort de la Talerie. Moïse me seconde. C'est devenu un homme courageux et volontaire. Tu ne le reconnaîtrais plus. Mais rassure-toi, je veille sur lui. Toussaint ! Toussaint ! Des Français approchent ! Qu'est-ce qu'on fait ? Ils sont nombreux et ils ont des canons. Ils nous encerclent. Nous n'avons aucune chance. On va se rendre. Que les hommes récupèrent leurs armes, en silence. Fais monter les femmes et les blessés dans les chariots. Et on en fait quoi des canons? C'est trop lourd, ça va nous ralentir. On les laisse. Ils sont moins nombreux vers le versant sud. C'est par là qu'on va briser le cercle. Allez. C'est étrange que leur guetteur n'ait pas signalé votre présence. Ils devraient prendre leur position. L'ouverture n'est pas le stratège que vous figurez. C'est un affranchi, sans la moindre science militaire. Allez plutôt voir où en sont nos hommes. Le terrain est accidenté. Il nous faut encore un peu de temps pour positionner nos canons. Il faut faire vite. Cette position est stratégique. Nous devons absolument la reprendre. Excusez-moi, général, mais il existe une solution bien plus efficace. Laquelle? Nous savons où se trouve leur poudrière. Il nous suffit de les pilonner pour les faire exploser. Aucun n'en réchappera. Je ne mets pas ces méthodes radicales. La guerre obéit à des codes. Allons. Nous ne sommes plus au temps de la chevalerie. Nous avons affaire à des rebelles sanguinaires, assoiffés de vengeance. Auriez-vous la haine des Noirs, général Rigaud? J'ai la haine de tous ceux qui nous méprisent. Nous, les mulâtres. Par le sud. Allez. Formez les carrés. Les canons en retrait. Ils nous échappent. Il est trop tard pour les rattraper. Aïe, 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 aïe.
Sur un affranchi qui ignore tout de l'art de la guerre, tout ça nous a donné une belle leçon de stratégie. Fallait m'écouter et faire exploser le camp, général. Ça suffit ! L'ouverture a été plus malin que nous, c'est tout. Allez ! J'ai perdu beaucoup d'hommes. Une dizaine. Tu vois bien que nous n'avons pas les moyens de résister aux Français. Il faut faire la paix. En échange de quoi? De notre amnistie? Oui. Je ne combats pas pour notre amnistie. Je me bats pour libérer tous les esclaves. La liberté générale. Et bonjour, qui vous dit ça, Ponce? Garez-vous si c'est moi qui baille l'autre boycia. Je ne te dois rien, Biassou. Je ne ferai pas la paix avec les Français. C'est bon. C'est bon. Rangez vos armes. Tu ne manques pas de courage, mais tu ne sais pas à qui tu as affaire. Lui, c'est Dessalines. Et lui, Christophe. À eux deux, ils ont tué plus de blancs français que tu n'en tueras jamais dans toute ta vie. Lavaux, vous étiez à Valmy et à Gemap. Et vous, Rigaud, vous avez mené le siège de Savannah avec les fédérés américains. Et vous faites doubler par une bande d'esclaves dépenaillés armés de fourches. Vous sous-estimez la valeur de ces hommes, et surtout celle de leur chef. Le général Lavaux n'a pas pris la mesure de la situation, commissaire. Ce sont des sauvages, des bêtes féroces. Il faut les traiter comme tels. Ça suffit, Rigaud. Si vous continuez à tenir ce genre de propos, je vous fais radier de l'armée de la République. Vous pouvez disposer. Je sais que vous êtes prêt d'offrir aux nègres l'abolition qu'ils réclament. Sachez que ce jour-là, vous me trouverez en travers de votre route. Commissaire. Oh, mais quelle tête de mule! Lavaux, débrouillez-vous comme vous voulez. Il faut me faire rencontrer ce Toussaint Louverture. À vos ordres.